Aujourd'hui les amis, on est sur Brookhaven RP et je vais devenir nounou pendant 24 heures. Mais juste avant ça, like et abonne-toi si tu parais sur la liste. Ah là là, quelle longue journée. Bon franchement ça va qu'il fait beau et tout, je prends le soleil. Mais franchement ça manque d'avoir un travail. Et puis en plus je sais pas qu'est-ce qu'il fait Darkito, mais il passe son temps à jouer en ce moment dans la maison. Moi je suis toute seule et je sais même pas quoi faire. Attendez, mais c'est écrit quoi? Cherche nounou, je paie super cher. Non mais vraiment n'importe quoi. Qui a envie d'être nounou? Mais moi ça va pas, je garderai pas des enfants hein. Bon, je vais retourner voir ce qu'il fait Darkito. J'espère qu'il est pas encore en train de jouer à son jeu, parce que franchement il passe pas du tout de temps avec moi en ce moment. Heureusement qu'il y a Cracotte qui est toujours là. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi? Pourquoi il y a des ballons? Des enfants? Tu m'expliques, mon amoureux, il y a quoi ici? Tchac, tchouk, tchac, 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 tchouk, 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 tchouk. Bah attends, attends, deux secondes. C'est les bébés, t'inquiète, ils sont là, ils sont... Je les surveille, t'inquiète pas. Tchac, tchouk, tchouk, tchouk. Quoi? Oh non, j'ai perdu. C'est pas possible, non mais... Ce jeu, non mais... Ah! Mettre un coup de pied dans la machine, tac. Aïe, j'avais oublié que la machine a été en fer. J'ai super mal. Aïe, 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 chérie, aide-moi. Oh là là, j'en peux plus de lui tout le temps. Il se fait mal comme ça et tout, il tape n'importe où. En fait, c'est la machine qui te fait mal, c'est quand même un truc de dingue. Bon, moi, tu sais, je pense que là, le plus important, que je dois apparemment m'occuper des bébés et que toi, t'es pas capable d'en occuper vu que tu préfères jouer. Donc, t'aurais pas dû les garder, en fait. Bon, qu'est-ce qu'il y a à faire? Ça va les bébés? Vous appelez comment? Ah non, il faut pas répondre. Oh, mais c'est quoi ça encore? Il y en a encore un autre? Oh non, il y en a trois. Trois? C'est énorme, hein. Mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de bébés Darkito? Dis-moi, c'est les bébés de qui ça? Tu les as pas volés quand même? Non, j'ai vu une annonce en ville. Faut que j'aille me reposer. J'ai vu une annonce en ville pour garder des bébés. Et ça paye super cher. Et du coup, bah j'ai accepté. Et il y en a quatre de bébés, il y en a pas trois. Je vais aller me reposer dans l'île, là, je suis vraiment pas bien. Oh là là, c'est vraiment n'importe quoi, j'ai vraiment super super mal. Allez, hop là. Oh non, attendez, j'en vois un, deux... il est où? Oh mince, trois. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va pas jouer avec des plantes quand même. Viens là toi, on va te mettre ailleurs parce que là, je sais pas pourquoi tu joues avec des plantes. On va te mettre à côté de Darkito ou du petit bébé ici. Allez, voilà, surtout vous faites pas trop de bruit. Mais dis-moi, ils ont mangé? Hé hey, Darkito! Réveille-toi! Tu les as changés, ils ont mangé! Ils sont où les parents en fait? Ouah! 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 Mon amoureux, je te parle! Eh oh! Ils ont mangé ou pas? Ça mange un bébé? Ouais, je crois qu'ils ont mangé. Je sais pas, peut-être hier ou avant-hier ou peut-être il y a trois jours, je sais pas, peut-être qu'ils ont mangé. Oh là là, j'en peux plus là! Comme ça, il veut juste gagner de l'argent et paf! Et il sait même pas garder un enfant! Non mais n'importe quoi! Bon, les enfants. Enfin, les bébés, je sais pas comment vous appelez, on va vous donner à manger. Moi, pour l'instant, je vais chercher un biberon. Alors, j'espère qu'on a du lait au moins. Ah, ça va, on en a. Et le biberon, ils sont où les biberons? Je sais pas qu'il a oublié quand même. Oh non. Hé, Darkito, mon amoureux, ils sont où les biberons pour les bébés? Je peux pas leur donner à manger sinon si j'en ai pas. Voilà, mais dis pas que t'es endormi, s'il te plaît, réveille-toi! Mais les biberons, c'est pour les bébés! Ah ouais, c'est vrai qu'il y a des bébés. Oulala, oulala, des biberons. Non, il n'y a pas de biberons, il fallait des biberons. Écoute-moi bien, d'accord? Parce que c'est ta bêtise à toi. Donc tu vas te lever, tu vas aller à pied ou en voiture, je sais même plus où est-ce que t'as garé la voiture, et t'iras chercher des biberons parce que les enfants, ils ont faim! Ah non, dans le placard derrière toi, il y a des biberons. Il y en a un seul. J'en ai besoin de 4. Je te rappelle que t'as voulu garder 4 bébés. Un, c'est pas suffisant. Donc tu vas m'acheter des biberons. Et aussi, surtout, t'oublie pas d'acheter des couches. Hein, parce que les bébés, bah là, vu qu'il y en a 4, faudra changer les couches tout le temps. Et vu à quel point t'as voulu être nounou, eh bien, ça va être toi qui vas changer les couches. Bon, d'accord, allez, je vais aller chercher tout ça. Oh là, faut vraiment aller chercher tous ces trucs. Non, mais c'est pas possible. Où est-ce qu'on est encore là-dedans? Non, mais c'est vraiment n'importe quoi. Il y a encore plein de bébés. J'aurais pas dû accepter ce truc. Bon, allez, ça c'est fait. Pourquoi est-ce qu'il est venu rose celui-là? Oh non, je pense que je les confonds en fait. Bon, vous inquiétez pas, les bébés, il y a Darkito, il va emmener les biberons, les couches, et puis tout va bien se passer. Enfin, j'espère, hein. Pas si je suis vraiment une très bonne nounou. Et pour l'instant, je vous ai trouvé un nouveau compagnon. Je vous présente Doudours. Et Doudours, en fait, c'est mon doudou à moi, mais je vais vous le prêter le temps que Darkito y revienne. Allez, tenez. Je suis désolée, j'ai vraiment pas de Doudours. Bon, ben, on va dire que un, ça suffit.
Je vais retrouver quelque chose pour eux là-bas. Ah, ça va. Ils ont déjà... Pouet-Pouet, il est là. Allez, Pouet-Pouet, va là. Coucou, toi. Coucou, coucou. Coucou, coucou. Coucou, coucou. Oh là là, c'est trop drôle. Oh là là. Chérie, viens voir. Du coup, j'ai acheté les couches et j'ai ramené un truc en plus. Ah, c'est trop bien. Et j'ai pris les biberons. Ah, super. Et c'est quoi ce truc en plus? Attends, une poussette. Oh non, pas encore un cinquième bébé, ça va pas. Tu sais déjà pas t'occuper de un, ni de deux, et apparemment ni de quatre. Donc tu vas ramener ce bébé à sa maman et à son papa, ou je sais pas du tout. Et puis surtout, tu reviens sans un autre bébé. Allez, dépêche-toi. Bon, d'accord, allez, on va le ramener. C'est n'importe quoi cette histoire encore, faut ramener des bébés maintenant. Non mais, tu te rends compte quand même, Victor, on doit faire ça, vraiment. Allez, c'est bon, jette tout dans le sac. Hop là, voilà, je suis obligé de ramener des bébés, de ramener les biberons, de faire trois allers-retours. C'est bon, je suis là, tu peux prendre le biberon dans le sac. Bon, ok, super. Allez, je vais m'occuper d'eux. Bon, on va prendre le biberon et on va le chauffer. Il faut le chauffer. Ah mince, on n'a pas de réchauffe biberon. Bon, on va mettre... Oh, je fais comment? Oh bah j'ai pas le choix, hein, faut boire de faim sinon. Allez, tenez les bébés, un biberon. Il est pas très chaud, mais ça va aller. Allez, tenez, vous aussi. Et voilà, et maintenant... Ah, j'ai une super bonne idée et je pense que tu vas adorer ça, mon amoureux. En fait, tu sais, les bébés, il faut qu'ils aillent faire leur sieste. Du coup, déjà, il faudrait que t'ailles installer le lit dans la chambre. Et que, en fait, tu vois la chambre. Et du coup, quand on aura fait ça... Et ben en fait, il faudra leur chanter une berceuse, tu vois, pour qu'ils puissent s'endormir. Et puisque t'es tellement si fort pour chanter, je suis sûre que ça va marcher. Ouais, mais on peut pas décaler les lits dans Brookhaven. Bon, tu sais quoi, je vais leur chanter, t'as super bien raison. Bon, et en plus, j'ai une nouvelle guitare. C'est une guitare rock'n'roll, ouais. Allez, les enfants, il faut aller dormir. Allez, les enfants, il faut dormir. Non, pourquoi ils crient comme ça? Et arrête. Le but, c'est pas de les réveiller ou de leur faire peur. Le but, c'est qu'ils s'endorment. Fais une petite berceuse, genre un truc tout doux, tu vois, tout mignon. Ah, du coup, ça marche pas trop avec la guitare rock'n'roll. Bon, d'accord, je vais leur faire une berceuse. 1, 2, 3, soleil. Les enfants, si vous vous endormez pas, je vous fais votre fête. Oh non, mais une vraie berceuse, je sais pas, moi. T'en connais pas? Bon, c'est vraiment n'importe quoi. Et eux alors, il faut leur faire une berceuse aussi. Oh non, je peux pas m'en sortir. Mais attendez, les parents, ils vont les récupérer quand? Les enfants, ils viennent jamais ou quoi? Bon, Darkito? 8, 9, 4, soleil, W... Non, pourquoi je dis des trucs comme ça, moi? Je fais n'importe quoi, là. Je vous apprends l'alphabet, ça vous va? Allez, A, B, C, D, E, F, G. Non, qu'est-ce qu'il fait? Il pense qu'il va apprendre l'alphabet à des enfants qui ont même pas un an. Hé, ils sont trop petits pour comprendre, ils savent même pas ce que ça veut dire, alphabet. Bon, là on a un problème, je t'explique. Il commence à faire nuit, enfin il commence à y avoir le soleil qui se couche. Et en fait, les parents ils sont toujours pas là, ils ont oublié leurs enfants, tu crois? C'est pas normal, non? Mais attends. Lui, il ressemble à quelque chose, lui, je l'ai déjà vu, lui. Je crois que je le connais, ce bébé. Je suis sûr que je le connais. Bon, lui, c'est mon préféré. Je suis sûr que je le connais. Je le connais. Toi aussi, tu le connais. Tu as déjà vu, non? Peut-être, oui, mais bon, ils se ressemblent tous à les bébés, quand même, je trouve. Tu as récupéré où, ce bébé? Bah, dans une maison de vacances. Il n'y avait pas les personnes. Elles étaient parties faire du quad. Pourquoi faire du quad, d'ailleurs? Oh, vraiment rien. Tu me parles de bébé, de quad. Oh là, c'est trop pour moi, cette journée. Je pensais vraiment pas qu'il allait se passer ça. Je m'ennuyais. Et là, d'un coup, bah, je me sens totalement submergée. Attends, mais ça sonne à la porte. Oui, bonjour. Oh, mais Darkito, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Qu'est-ce qui se passe? T'as besoin, je sais pas, d'œufs, de farine? T'as besoin de quoi? Je cherche mon bébé. Il est passé où? Il y a quelqu'un qui a dit qu'il l'a gardé. Il doit le garder. Et il est où, là? Il est où, mon bébé? Théo, il est où? Oh non, il manquait plus que ça. En fait, je t'explique, il y a 4 bébés, il y en a un là et encore 2 dans la chambre. Donc, écoute, peut-être qu'il est là, peut-être qu'il est pas là. C'est la bêtise de Darkito. Darkito, il a pris plein de bébés, je sais pas de qui ils sont et voilà, bon, bah, c'est vraiment une catastrophe, je te laisse faire. Bon courage, hein. Oh non. Ah, mais je me disais bien que je le connaissais, ce bébé, c'est pas le chien mini Darkito? Bah, si, rends-le-moi, s'il te plaît. Ah, bah, avant, il faudra me payer, parce que bon, il y a marqué que vous payez super cher.
C'était toi ou c'était pas toi? Bah c'était pas moi ça pour ce bébé là, je sais pas, comment tu l'as récupéré? Je sais pas, mais je te le rends, c'est vraiment bizarre cette histoire de bébé. Bah ouais, c'est bizarre. Je sais pas, on m'a dit qu'on devait récupérer mon bébé, je sais pas, peut-être c'est Minimi, ça l'a passé, je sais pas, je comprends rien cette histoire. Bon, c'est pas grave, merci. Bon, il nous en reste 3 maintenant. Oh là là, 3, mais qu'est-ce que je vais en faire? Darkito, tu pourrais pas essayer de chercher les parents, moi? Bah attends, je viens d'avoir un message des parents. Ils viennent demain à 8h30 les récupérer. Bon, bah on a toute la nuit. C'est pas mal, non? Allez, on fait comment? Alors, moi j'ai une idée. Je vais dormir et pour l'instant, tu vas les garder tout seul, d'accord? Et le but, c'est que quand je me réveille, bah, qu'ils soient toujours là et en bonne santé. Ce serait vraiment génial. Allez, bonne nuit, mon amour. Moi, je fais dodo. Oh là là, enfin de la tranquillité. Bon, ça va être trop facile. Allez, j'éteins la lumière. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Tu sais quoi, je vais en transférer un dans la chambre, comme ça il va dormir à côté, et l'autre je vais m'en occuper. Toi, non, pas toi. Non, allez, toi, hop là. Toi tu vas avec Miss Darkito. Allez. Pourquoi on peut pas mettre deux bébés roses? Oh là là, c'est n'importe quoi. Faudrait que... Bon, on va l'en mettre ici. Ce sera toi. Allez, rien que pour ça, c'est toi qui vas ici. Et boum. Hop là. On va éteindre la lumière aussi ici. Hop, on éteint comment la lumière là? Ok, c'est ici. Oh, et vous savez ce que je vais faire avec l'autre? Je vais lui faire prendre un bain. Comme ça, on est tous dans le même endroit. Parfait, allez, viens avec moi. Toi, tu vas prendre le bain. Bah, ça veut dire oui, allez, parfait. J'allume le bain, hop. Et voilà. Bah, ça va, t'es plutôt contente. C'était une fille, je crois. Mais t'es contente, parfait, super. Bon, bah voilà, on n'a plus qu'à attendre le réveil de matin. Mais en attendant, bah, ne me regardez pas, s'il vous plaît. Non, c'est trop perturbant. On va aller dans l'autre pièce. Voilà, comme ça personne peut me voir. Là c'est quand même mieux. Allez, personne peut me voir ici. Parfait. Oh non, 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 mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les bébés, on dort maintenant. Oh non. Oh non, mais ça va pas, il va se noyer le pauvre. Je vais le récupérer tout de suite. Allez, toi tu viens là. Oh là 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 là. Bon, surtout pas les laisser sans surveillance. Darkito, Darkito, je te promets, si je te vois, eh ben, je vais te dire de partir de cette maison. Darkito, Darkito, écoute-moi. Je dois te dire un truc sérieusement. Voilà, alors, en fait, garder ses enfants, ça m'a fait comprendre à quel point tu n'es pas prêt du tout à devenir un père. Ah, alors, si, si, si. Pour un enfant, il n'y a aucun problème. Pour deux enfants, il n'y a aucun problème. Par contre, pour cinq enfants, il y a pas mal de problèmes, je pense. Je te rappelle que là, il n'y en a que 3 et que tu n'es déjà pas capable de t'en occuper. Alors, ils sont où les deux autres? Bah, il y en a un, c'est Mini Darkito qui l'a récupéré. Et l'autre, il est où? Il est où l'autre? Oh non! Oh non, 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 non! Qu'est-ce qui s'est passé? Il est où? Oh non! Oh non, mince, 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 qu'est-ce que j'ai fait? Oh non, il est où le dernier? Oh non, 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 où est-ce qu'il est passé? Oh non, 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 mais c'est sûr qu'il y en avait un cinquième, non? Je sais plus. Oh non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'y en a pas un cinquième? Attendez, je vais rappeler. Allô, vous m'avez laissé combien de bébés? 4. Ah bon, ça va, j'ai cru qu'il y en avait 5. Merci. Bon bah en fait non, c'est moi qui est... Désolé, j'ai rien dit, il y a que 4 bébés. Écoute-moi bien, d'accord? Eh ben voilà, j'ai décidé qu'on n'aurait pas d'enfants. Qu'est-ce qui se passe encore? Chérie? Réveille-toi? Bon, franchement, cette journée, elle m'a vraiment énervée, je vais te laisser. Je te rappelle qu'il y a des bébés, en plus qu'on les surveille même pas. Donc maintenant, moi je vais les voir, et puis toi, bah écoute... je sais pas quoi te dire, tu fais que des bêtises et tout, et tu prends des bébés, enfin bref. Franchement, j'ai plus les mots. Allez, je te laisse. Oh là, non mais n'importe quoi. Là, il tombe dans les pommes parce que j'ai en quoi je veux plus qu'il soit papa. Il est pas capable de s'occuper d'un enfant. Il en met un dans la baignoire, j'ai pas en quoi il se noie. Oh là, mais heureusement qu'ils vont bien. Bon, ça va? Hein? Vous dormez bien? Bon, apparemment, ça va. Problème informatique. Problème informatique. Oh non, il manquait plus que ça. Ça, c'est quoi encore? C'est... Oh là, cette nouvelle technologie, c'est quoi? Et c'est qui a parlé? C'est moi, patate. Je suis un robot. Je suis un faux bébé. Oh non. Et sincèrement, entre nous, c'était pour tester Darkito, non? C'est parce que t'étais sûr qu'en quoi il pouvait pas être papa. Et que du coup, au moins, puisque je l'ai réalisé, eh ben, on n'aura pas d'enfant. C'est pour ça ou pas? Parce que si c'est pour ça, bah franchement, je commence à bien vous aimer, les robots. Oui, c'était pour ça, pour voir s'il pouvait être un nounou professionnel. Et il a raté le test. Papa et un papa, vous en pensez quoi? Il est pas prêt, non? Il est prêt pour être papa, mais seulement pour un seul enfant. Un seul enfant. Un seul enfant. Oh non, il commence à bugger, il commence vraiment à bugger. Bon, ok. En tout cas, merci beaucoup.
Franchement, bah, le problème c'est que j'en voulais pas qu'un moi d'enfant, j'en voulais un, deux, trois, peut-être quatre ou peut-être cinq en fait. Je sais pas du tout. Vous pensez que je devrais... Je fais quoi moi, je reste avec l'Arquito ou pas? Oui, il devra refaire le test dans 365 jours. 365 jours. 365 jours. 365. Chut, 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 c'est bon maintenant, j'ai mal à la tête. Bon ben merci beaucoup quand même. Et puis, enfin, je sais pas pourquoi je parle à un robot. En fait, pourquoi je parle à un robot? Bon, en tout cas, au moins, j'ai eu toutes mes réponses. Hé, hey, mon amoureux! Je pense qu'ils vont bien, en fait, les bébés. Tout va bien, les parents, ils vont les récupérer apparemment à 8h30. Enfin, c'est certain. Bref, t'es déjà au courant de toute façon. Et moi, pour l'instant, bah, je vais aller dormir. Ok, merci. Oh là là, c'est vraiment n'importe quoi, tout ça. Franchement, je comprends rien du tout. Oh là là. Bon, les amis, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et à regarder d'autres vidéos. Et vous pensez que Darkito et moi, on peut avoir un enfant? Abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous.